Merci beaucoup à tous et à tous d'être présents. Et donc, on va commencer par... Donc, comment démystifier le traitement de la en 2024? Et c'est une application des lignes directrices pour l'évaluation du risque cardiovasculaire chez vos patients. Donc, ce sont mes conflits d'intérêts potentiels. Quels sont les objectifs d'apprentissage? Le premier, c'est d'identifier la population qui doit avoir un dépistage lipidique. Cette population-là, elle est bien identifiée dans les recommandations euh, canadiennes, d'expliquer l'interprétation du bilan lipidique selon les caractéristiques cliniques, de reconnaître les outils d'évaluation du risque cardiovasculaire, de souligner l'indication des tests disponibles dans l'évaluation du risque chez nos patients. Donc, euh, selon les recommandations canadiennes, qui ont été publiés en 2021, nous avons identifié les populations de patients et les individus qui devraient faire l'objet d'un dépistage. Ce que l'on dit de façon globale, les hommes et les femmes âgés de plus de 40 ans devraient être dépistés pour leurs lipides. Et pour les femmes qui ont des ménopauses plus précoces, par exemple des ménopauses chirurgicales, on doit faire un dépistage à ce moment Et on sait que dans certaines populations on a des gens qui sont plus à risque de manifestations cardiovasculaires plus précoces, tels que les personnes qui sont d'Asie du Sud-Est et des gens des Premières Nations. Donc, en raison de leur susceptibilité, entre autres, à développer sa métabolique, du diabète ou autre, c'est des patients qui devraient faire l'objet de dépistage. Par ailleurs, c'est des recommandations pour adultes. Donc, on part d'une population au-dessus de 18 ans. Tous les patients qui ont des conditions sous-jacentes sans égard à l'âge devraient faire l'objet d'un dépistage. Donc, les gens qui ont un tabagisme actif, les patients diabétiques, que ce soit des types 1 ou que ce soit des types 2, les hypertendus, que l'attention antérieure soit contrôlée ou non. L'histoire familiale précoce de coronaropathie, on se rappelle, premier degré, chez les hommes moins de, 65 ans, euh, moins de 55 ans et chez les femmes moins de 65 ans. Les dysépidémies génétiques, on parle entre autres d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. La dysfonction érectile n'est pas nécessairement un signe d'athérostérose précoce, mais beaucoup de ces patients, c'est une stigmate précoce d'athérostérose. L'insuffisance rénale chronique a été décrite comme étant un homme ou une femme âgée de plus de 50 ans avec un taux de fixation numérulaire, donc, est inférieur à 60 ou un ratio albumine sur de plus de 3. La maladie inflammatoire, qu'elle soit intestinale ou articulaire, l'infection chronique à HIV. La maladie pulmonaire obstructive chronique, indépendamment du statut tabagique ou non, est une prédisposition à avoir des manifestations cardiovasculaires et devrait, devrait faire l'objet d'un dépistage. Lorsqu'on parle d'évidence sténie de c'est clair, il faut dépister ces patients-là, mais il faut les traiter. L'anévrisme de l'heure abdominale, on parle d'une ectasie de plus de 3 cm de l'heure abdominale. On sait qu'en ce qui trait l'anévrisme de l'heure abdominale, c'est toujours un phénomène anatérostérotique. Toute manifestation clinique d'athérosclérose, telle que les arcs chez un patient âgé de moins de 45 ans, l'exantôme tendineux ou l'exantélassement, l'obésité et l'hypertension, une grossesse. Donc, on devrait faire un bilan lipidique chez ces patients. Ce n'est pas parce qu'on a un bilan lipidique au dossier qu'on doit les traiter, mais c'est comme prendre la tension artérielle. Ça fait partie du dépistage. Comment dépister? Bien, il faut faire un examen physique et un questionnaire ciblé. On sait maintenant on demande un profil lipidique standard qui contient un cholestérol total, un LDL, les HDL, le calcul du non HDL et les triglycérides. Ah. On devrait privilégier, comme vous le savez, aussi bien pour le dépistage que le suivi des problèmes lipidiques. On peut le faire non-agent et en même temps, on peut demander des moindres bénédiqués. Et comme le docteur Soulis va parler tantôt, en 2021, on encourageait le dépistage une fois dans la vie du patient de la LPPTIA et de façon optionnelle, on peut demander la poubelle et le ratio albumine sur créatinine. Donc, l'évaluation du risque, vous savez qu'on a une panoplie d'études et une panoplie d'outils différents pour évaluer le risque chez les patients. Au Canada, on demeure avec l'évaluation du risque de Framingham qui devrait être faite chez les populations de patients âgés entre 40 et 75 ans et on dit de le faire environ aux 5 ans. C'est certain que si on a une modification importante des habitudes de vie ou d'autres facteurs de risque qui se rajoutent, on peut faire le calcul de risque de famille Gamme plus fréquemment. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on va parler du pourcentage de risque et qu'on discute avec le patient, c'est certain que de dire à un patient Vous avez un risque de manifestation cardiovasculaire à 10 ans de 12 ça ne représente pas nécessairement quelque chose. Et on encourage, lorsqu'on discute avec le patient, de calculer l'âge vasculaire. Et l'âge vasculaire, c'est un outil qui est bien validé dans une étude qui s'appelle Check Up euh, Trial et qui permet de faire la différence entre l'âge chronologique du patient et l'âge vasculaire estimé. Et c'est certain que j'ai un patient, par exemple, qui a 50 ans d'âge chronologique et on calcule son âge vasculaire, on arrive à 58 ans et on lui demande de mieux adresser les facteurs de risque de la coronaropathie et de changer les habitudes de vie mais ça résonne beaucoup plus pour le patient. Pour les patients plus jeunes, on peut également utiliser cet outil, mais une chose qui est hyper importante, chez les patients qui souffrent de troubles génétiques, tels que les hypercholestéronies familiales des torozygotes, il ne faut pas calculer Framingham, il faut traiter ces patients. Donc, je pense que ça, c'est une donnée qui est excessivement importante. Donc, c'est l'évaluation du risque Framingham, parce que c'est validé. Au Canada. Et c'est certain que ce, cet outil, il va falloir donc euh, le moduler en fonction des facteurs de risque autres chez les patients. Donc, euh, Dr. Tanasulis, tantôt, va parler du LPPTA. On sait que si on a une histoire familiale positive de coronaropathie, on multiplie le pourcentage de risque par deux. Et il y a d'autres éléments également qui peuvent amplifier le risque, tel que l'origine ethnique. Des euh, problèmes d'hypertension de grossesse, les maladies inflammatoires suivants. Et on peut même avoir certains critères tels que le score calcique, qui pourraient même permettre peut-être de réduire le risque calculé, on va en parler tantôt un peu plus dans la présentation. Donc, l'estimation de risque de Farmingham, vous le savez. Ce qui est un peu triste, c'est que peu de médecins l'utilisent. C'est-à-dire qu'on a tendance à Évaluer de façon subjective le risque chez les patients, alors qu'on devrait le faire. On a des applications pour les téléphones intelligents qui sont disponibles, qui sont faciles d'utilisation, qui calculent souvent à la fois le score de risque de Framingham et l'âge vasculaire, et il faut les utiliser. Donc, on prend en compte, comme vous savez, l'âge, le HDL, le cholestérol total, la tension artérielle systolique. Que le patient soit traité ou non, on a une pondération différente. Le statut diabétique ou non et l'état de fumeur ou non, on a un pourcentage de risque et ce pourcentage de risque se transmet, donc la pondération en fonction d'un risque à 10 ans de manifestation cardiovasculaire majeure. Donc, une notion qui est importante, c'est qu'on va voir dans les prochaines diapositives que les gens qui ont des manifestations de vasculopathie, à moins d'avoir des problèmes génétiques ou un facteur de risque très élevés, mal contrôlés, c'est souvent les patients qui ont de multiples facteurs de risque. Et c'est l'addition des facteurs de risque entre eux qui augmente de façon très importante les chances de développer une manifestation cardiovasculaire. Donc, ici, c'est une étude qui vient de la Chicago Heart Association Detection Prediction Study. Donc, c'est une étude prospective dans une population de la ville de Chicago. Où on a suivi des patients, mais qui ont été randomisés entre l'âge de 40 à 59 ans, et on l'a suivi en fonction du temps, que ce soit des hommes ou des femmes. Et on veut évaluer ici le risque à vie. Donc, c'est sûr que lorsqu'on calcule Framingham, on évalue le risque à 10 ans. Ici, on parle du risque à vie de développer des manifestations cardiovasculaires. Et de façon spécifique, dans cette étude, on regarde le risque de mourir d'une manifestation cardiaque, que vous soyez un homme ou une femme. Et selon les couleurs, si vous avez trois facteurs de risque traditionnels non traités, c'est en bleu. Les patients en orangé, c'est les patients qui ont un profil de facteurs de risque favorable. Donc, ça veut dire que les facteurs de risque sont adressés. On n'a pas de facteurs de risque qui se démarquent. Et vous voyez qu'on a une énorme différence entre les patients qui ont plusieurs facteurs de risque non adressés de façon chronique. Versus des patients qui ont eu des facteurs de risque qu'on considère optimaux et atteint l'enseigne, par exemple, qu'une femme à long terme, le taux de mortalité sur une période de 35 ans quand on n'a pas de facteur de risque de maladie cardiaque, c'est autour de 5 alors que c'est près de 40 de mortalité cardiovasculaire à long terme. Donc, c'est beaucoup l'addition des facteurs de risque qui augmente de façon proportionnelle les chances de développer des manifestations cardiovasculaires. Une autre étude que vous connaissez bien, qui est l'étude de Framingham, qui est une cohorte qui a été suivie de façon prospective à partir des années 40 et on a suivi à long terme. Et ici, on suit des populations de patients qui, lors de leur entrée dans l'étude observationnelle, avaient 50 ans et on les suit jusqu'à l'âge de 95 ans. Et ici, c'est le risque cumulatif de maladies cardiovasculaires. Nous, on regarde en bleu deux facteurs de risque majeurs et plus. Et encore une fois, pas orangé, la totalité des facteurs de risque sont adressés et on considère que les facteurs de risque sont optimaux. Si vous êtes un homme, c'est une grosse cohorte, près de 3600 patients, mais les chances de développer une maladie cardiovasculaire, si vous avez plus de deux facteurs de risque traditionnels non adressés, c'est près de 70 à l'âge de 90 ans versus 5 Et si on regarde chez les femmes, on va parler d'une femme sur deux va avoir des manifestations cardiovasculaires lorsqu'on a plusieurs facteurs de risque de la coronaropathie versus 8% seulement. Donc ça, je pense que c'est une notion, quand on évalue le risque chez nos patients, qui est excessivement importante de voir quels sont les facteurs de risque chez un patient donné et l'importance de les adresser. Et lorsqu'on regarde la différence de survie médiane entre les patients qui avaient plus de deux facteurs de risque versus... Les facteurs de risque optimaux. Chez les hommes, on parle d'une différence de 11 ans et chez les femmes, une différence de 8 ans. Donc, ça commence à compter énormément. Et ça, je pense que c'est une diapositive qu'il faut avoir en tête lorsqu'on adresse les facteurs de risque et le risque chez nos patients. Une autre donnée qui est importante, rappelez-vous de l'étude InterHeart que vous connaissez tous, donc une étude prospective chez les patients donc, qui ont fait un infarctus du myocarde. C'est une étude mondiale et on s'est aperçu qu'on avait neuf facteurs de risque qui étaient présents chez la grande majorité des patients qui faisaient un infarctus. Donc, on dit que 90 des infarctus sont liés à neuf facteurs de risque et le facteur de risque ou les deux facteurs de risque qui sont les plus importants, on parle des lipides. Plus de 50 des patients ont des anomalies du gland lipidique lorsque les gens font un infarctus. On a le tabagisme qui est présent. Et des autres facteurs de risque qui sont beaucoup des facteurs aussi de mode de vie. On parle de l'obésité, on parle des facteurs psychosociaux, on parle de l'exercice. Par ailleurs, facteurs de risque plus traditionnels la tension artérielle, la consommation d'alcool, la consommation de fruits et légumes et les patients diabétiques. Donc, ça démontre que, à travers le monde, c'est les mêmes facteurs de risque qui prédisposent nos patients à avoir des manifestations cardiovasculaires. L'autre donnée, lorsqu'on va parler d'évaluation du risque chez nos patients, c'est la durée d'exposition à des lipides anormaux. Et ce que l'on sait, si on regarde des patients qui souffrent d'hypercholestérolémie familiale homozygote, par exemple, et qui ont des valeurs de LDL cholestérol qui sont très élevées, si on ne les traite pas, c'est des gens qui, déjà, euh, après l'adolescence ou les jeunes adultes, vont déjà avoir des manifestations de benzomopathie. Et plus le LDL, donc, euh, est élevé et on est exposé longtemps à des valeurs élevées, plus on a de chances de développer des manifestations cardiovasculaires. Donc, la durée d'exposition à des niveaux élevés d'un facteur de risque ou des lipides se transmet avec des manifestations cliniques qui sont objectivables. Donc, ça veut dire qu'il faut, chez nos patients qui ont, entre autres, des anémies du profil lipidique et des facteurs de risque, n'a pas hésité de, à traiter précocement parce que le bénéfice sera présent à long terme. C'est une donnée qui est intéressante parce que lorsque nous, comme cliniciens, nous voyons un patient, puis le patient est âgé de 55 ans et a fait un du myocarde, bien, on va intervenir, puis du jour au lendemain, la veille, le patient n'était pas traité, puis le lendemain, il reçoit une forte dose de statine. Alors que quand on regarde les patients qui ont génétiquement une prédisposition favorable à avoir des LDL cholestérol bas, mais c'est des patients qui toute leur vie ont eu des LDL cholestérol bas et on s'aperçoit qu'à long terme, leurs chances d'avoir des manifestations cardiovasculaires sont significativement plus faibles. On connaît par exemple des populations, entre des populations noires, qui est associée à une perte de la fonction des pcs 9 et que des gens qui, toute leur vie, ont des LDL cholestérol qui sont faibles, et on remarque qu'à 50 ans, bien, ils ont près de 80 à 90 moins de chances d'avoir des manifestations cardiovasculaires. Alors que sur la courbe du bas, c'est lorsqu'on intervient plus tardivement chez les patients, les gens ont eu des bénéfices, mais si on commence plus tard avec des LDL qui, qui étaient présents, élevés pendant longtemps, bien, les bénéfices vont être là, mais les bénéfices vont être moins élevés que lorsqu'on a traité les patients de façon plus précoce et en notion de traitement précoce. Mais rappelez-vous une étude, parce qu'on a des données à plus de 20 ans, qui est l'étude WASCOP, qui est, est une intervention primaire avec la pravastatine qui a été publiée il y a plusieurs années. On l'a suivi jusqu'à 20 ans. Donc, tous les gens recevaient soit pravastatine ou atorvastatin. C'était des gens, donc des écossais avec des LDL, cholestérol autour de 4, beaucoup de fumeurs et ces gens-là, donc, ont été randomisés pendant 5 ans. À 5 ans, on a démontré un bénéfice, mais sans impact sur la mortalité. On a environ 35 des gens qui ont continué leur statine dans le bras traité un autre 5 ans. Et quand on regarde le devenir de la cohorte de patients qui ont été suivis jusqu'à 20 ans, on s'aperçoit qu'on a une diminution significative de la mortalité d'origine coronarienne, de la mortalité d'origine cardiovasculaire, sans impact sur la mortalité non cardiovasculaire, Ce qui démontre que de traiter contribue à un bénéfice à long terme chez une population de patients à risque. Donc, on va commencer quelques vignettes euh, cliniques. Donc, une femme de 54 ans qui est asymptomatique, qui est hypertendue euh, sous traitement, qui est non fumeuse, une histoire familiale négative, elle a une tension artérielle, comme vous voyez, qui est bien contrôlée, un IMC à 27, l'examen physique, euh, il est normal, un AEC à 6, un débit de fixation nerulaire à 55, et son bilan de physique révèle un cholestérol total à 5,4, et a un HDL à 0,7, DTG 2,8 un SDL à 3.43, un cholestérol non HDL à 4.7. Et si calcul calcule son risque de Framingham, ça donne une patiente avec un risque intermédiaire comme tel. Si vous regardez un peu la vignette, posez-vous la question, est-ce que cette patiente-là, je la traiterai avec une statue? On parle ici toujours d'adresser des facteurs de risque d'accord de neuropathie de façon non pharmacologique, mais est-ce que je lui donnerai un médicament? Donc, ce qui nous amène à parler un peu de... LDL et des apolipoprotéines qui contiennent donc des APOB. Et on sait que toutes les particules qui contiennent des APOB sont des particules hétérogènes. Et c'est certain que lorsque l'on mesure le LDL cholestérol, on prend en considération une portion du total des lipoprotéines qui peuvent contribuer au développement de l'athérosclérose. Donc, ça donne une image qui est imparfaite du pouvoir hétérogène du sérum. Et c'est certain que lorsqu'on va calculer le non-HDL cholestérol ou qu'on va mesurer la peau B, mais on prend en compte la totalité des particules qui ont un pouvoir hétérogène comme tel. Donc, ce que l'on sait sur le cholestérol non-HDL, qui est l'outil qui est suggéré dans les lignes directrices chez les patients qui ont des tricérides de plus de 1,5 mm par litre, plusieurs études ont montré que le non-HDL était supérieur au LDL pour prédire le risque cardiovasculaire. C'est équivalent ou non à la peau B, dépendant des études que l'on regarde. On sait que ça se fait à coup neutre. C'est disponible tout de suite par rapport au bilan lipidique. Et ça prend en considération donc, les particules qui sont riches en triglycérides, comme telles. Et Dr. Bargeron va parler tantôt des triglycérides. Est-ce qu'on a une bonne corrélation de façon globale dans les études observationnelles entre le non-HDL et la peau B? La réponse est oui. Et ça, ça vient de Emerging Risk Factor Collaboration, où on garde une bonne corrélation donc, entre le cholestérol non HDL et la peau B comme tel. Cependant, on a certaines situations, certaines études qui ont démontré des discordances, et entre autres chez un patient qui est préalablement traité avec une statine, mais ici, ça vient de Copenhagen General Population Study. Puis je vous invite à regarder donc, euh, le tableau de droite. Lorsque les patients ont des APOB élevés et des LDL cholestérol plus bas, donc en-delà de la médiane, on s'aperçoit que le fait d'avoir des APOB élevés est associé à un risque cardiovasculaire qui est persistant, malgré le fait que les LDL soient en-deçà de la médiane. On a la même relation avec le non-HDL. Donc, non-HDL cholestérol élevé, même en présence d'un LDL cholestérol en-deçà de la médiane, est associé à un risque de manifestation cardiovasculaire chez les patients en prévention. Et Mère traité avec une statine qui est plus élevée. Et lorsqu'on compare des patients qui ont des APOB augmentés, des no HDL en deçà de, de la médiane, chez les patients traités avec une statine, il semble que l'APOB soit un meilleur marqueur que euh, le no HDL pour prédire les manifestations cardiovasculaires. La même étude, on parle de la concordance et de la discordance. Lorsque, dans Copenhagen General Population Study, les patients avaient des LDL cholestérol au-dessus de la médiane, mais à la fois un OHDL et un APOB qui était en deçà de la médiane, mais ces patients-là n'avaient pas d'augmentation du risque d'infarctus ou de mortalité cardiovasculaire. Et lorsque, par ailleurs, les patients avaient des LDL cholestérol en deçà de la médiane, mais à la fois des APOB qui étaient élevés et un OHDL qui était élevé, ces patients-là avaient un taux d'infarctus du myocarde qui était augmenté de plus de 80 et un risque de mortalité qui était majoré de plus de 20 Et une autre étude ici, qui est une étude qui vient d'une méta-analyse de plus de 35 000 patients, où on compare le LDL cholestérol avec le non-HDL cholestérol comme tel. Et on s'aperçoit donc que si notre LDL cholestérol est au-dessus de 2,6 associé à un non-HDL élevé, le risque de maladie cardiovasculaire est élevé. Mais même si le LDL cholestérol est en deçà, et si on prend une valeur de 2,6 avec une valeur de non-HDL qui est au-dessus de 3,4, le non-HDL est un meilleur prédicteur de manifestations cardiovasculaires avec un taux d'événement qui est significativement plus élevé. Donc, qui démontre que de façon globale, le non-HDL et la POB sont des meilleurs marqueurs globaux du risque cardiovasculaire que le LDL cholestérol. Et si on se réfère à notre patiente, cette patiente est en prévention primaire, elle est à risque intermédiaire, son non-HDL cholestérol est au-dessus de 4,2 mmol par litre. Donc déjà, on se dit que c'est une patiente pour laquelle on doit encourager de façon importante la modification des habitudes de vie et on pourrait donc euh, la traiter avec une statine. Mais il y a une autre donnée ici qui est importante et ça, c'est la recommandation de mesurer le non-HDL ou la peau B en présence de série de plus de 1,5 dans les lignes directrices. Mais notre patiente, elle a une néphropathie chronique. Elle est âgée de plus de 50 ans. Elle a un débit filtration glomérulaire qui est en deçà de 60. Et donc, par définition, elle devrait recevoir un traitement avec une statine. Donc, première notion qui est importante, la notion que plus on a de facteurs de risque additifs, plus le risque cardiovasculaire augmente. Et par la suite, donc, euh, il faut adresser la totalité des facteurs de risque au-delà du calcul de risque de Framingham. Et on a certaines caractéristiques qui vont nous aider à prendre en charge, donc, euh, notre patient. LPPTIA, j'ai trois diapositives, puisque docteur Tanassoulis va en parler en détail. Homme de 56 ans, asymptomatique, qui nous permet d'évaluer le risque, qui est un non-fumeur, histoire familiale négative, ne prend pas de médicaments, fait l'exercice trois fois par semaine. Une tension artérielle un peu élevée, un IMC à 28, un AEC qui est correct, un débit de pression numérulaire qui est à 75. Son bilan révèle un cholestérol total à 4,7, un HDL à 1,2, des triglycérides à 1,4. On a un LDL à 2,86 et un non-HDL à 3,5. Son calcul de risque de Framingham révèle à 15 et il a un LPPTIA à 169 nanomoles par litre, la normale étant de moins de 75. Donc, juste. Une diapositive qui demande que le risque cardiovasculaire est également lié avec des niveaux plus élevés de LPPTIA, que ce soit le risque de faire un infarctus du myocarde, d'un AVC ischémique, d'avoir même de l'insuffisance cardiaque ou sténose aortique. Et donc, la recommandation, le docteur Tanassius va vous en parler tantôt, mais chez un patient à risque intermédiaire avec des LPPTIA de plus de 50 mg par décilitre qui correspond à 100 nanomoles par litre, à ce moment-là, c'est important d'adresser... Les facteurs de risque de la coronaropathie Et c'est certainement intéressant de connaître l'alcopétia chez les patients qui, certains, n'ont pas de facteurs de risque très importants, mais ont des fois une histoire familiale très fortement positive. Dans la recommandation canadienne sur l'évaluation du risque, on a parlé également du score calcique. Et ici, on a un patient de 42 ans, asymptomatique, non fumeur, avec une histoire familiale positive, son frère ayant en fait un infarctus à l'âge de 47 ans ne prend pas de médicaments, il fait de l'exercice sur une base occasionnelle, belle tension, une IMC à un IMC élevé, A1C 5.8, rénale normale, cholestérol total à 4.8, un HDL bas, DTG à 1.2, un LDL à 3.35, un cholestérol non HDL à 3.9. On calcule son risque de Framingham, il a 6.7 il a une histoire familiale positive, on le double, donc c'est 13.4 et on lui fait un score calcique qui est révèle une valeur de 153 euh, unités d'agonstone. Donc, le score calcique, comme vous le savez de plus en plus, c'est un scan. Ça prend quelques secondes donc, à quantifier la quantité de calcification au niveau des coronaires. Et c'est un outil qui est bien validé. Il y a entre autres une étude euh, qui est ça, euh, qui est une étude de près de 7000 patients faite aux États-Unis, euh, comme vous voyez. Ces patients-là ont été suivis euh, jusqu'à un premier événement, donc jusqu'en 2013. C'était 53 de femmes, population de patients entre 45 et 84 ans. On avait 16 des gens sous époulimia et c'était tous des patients à risque intermédiaire. Et on voit que la valeur prédictive la meilleure pour les événements cardiovasculaires de tous les tests qui ont été éliminés, évalués, c'était d'avoir un score calcique qui était à zéro. Quand on regarde le score calcique et la mortalité à 15 ans, on s'aperçoit que si vous avez un score calcique qui est égal à zéro, et ça, on parle d'une étude observationnelle prospective à long terme, mais les patients, sur près de 10 000 patients, on avait un taux de mortalité autour de 4,7 alors que les patients qui avaient un score calcique de plus de zéro avaient un taux de mortalité de plein de 15 comme cas. Et la probabilité de maladies cardiovasculaires sans événement, si vous avez un score calcique qui est au-dessus de 100, on parle d'un taux d'événement d'environ 2 par année, et ça met un score calcique au-dessus de 300. On va parler autour de 30 à 35 du risque d'avoir une manifestation cardiovasculaire à des ans. Dans la recommandation canadienne des lignes directrices, on vous dit, score calcique, on devrait le faire chez le patient qui, on, on ne doit pas le faire, mais on peut le faire chez les patients à risque intermédiaire, pour lequel, entre autres, on a des discussions à savoir est-ce que le patient... Est prêt à recevoir une statine. Il y en a qui sont assez résistants au mot statine, mais quand le score calcique est élevé, absolument, c'est un bon argument. Un score calcique à zéro, c'est très rassurant. Si on a d'autres facteurs de risque d'aphorneuropathie, de il faut les adresser, mais le taux d'événement est faible. Alors que si on a un score calcique qui est au-dessus de zéro, et principalement si le score calcique est au-dessus de 100, en théorie, on a une indication de traiter nos patients avec une statine. Donc, euh, à envisager chez les patients à risque intermédiaire, on peut le faire, on ne devrait pas le faire chez les patients qui sont à haut risque parce que ces patients-là ont déjà l'indication de recevoir une statine. Les patients qui reçoivent déjà une statine, on ne le fait pas. Tous les patients qui ont des manifestations de vasculopathie, on ne le fait pas. Et la plupart des patients asymptomatiques, on ne le fait pas. Mais ça peut nous aider également à nous stratifier le risque chez les patients qui sont plus jeunes. Et pour terminer, je me réfère à une recommandation qui date déjà de quelques années, des recommandations en 2012, où on parlait d'autres tests qui permettent de mieux évaluer le risque cardiovasculaire chez les patients. On parlait déjà de l'alpopétia, on parlait jadis naguère du HSCRP, je pense qu'on peut le prendre dans l'équation actuellement, de la 1 et du ratio albumine sur créatinine. juste à se rappeler, pour l'HCRP, on a une étude quand même d'envergure de 17 000 patients, qui est l'étude Jupiter, qui avait randomisé des patients avec des LDL cholestérol en deçà de 3,5 mm par litre, avec une hsCRP qui était de plus de 2. C'est une étude qui avait arrêté précocement parce qu'on avait une surpuissance statistique, mais il reste néanmoins qu'on avait démontré, donc, sur le paramètre primaire, un impact favorable sur la diminution des événements cardiovasculaires, pas d'impact. Euh, sur, donc, on avait même des paramètres un peu plus euh, souples, comme on dit, sur la révasteurisation. Et lorsqu'on regarde un peu l'impact de la baisse du LDL cholestérol, les gens recevaient, résultat, atteint 20 versus placebo. Mais on s'apercevait que les patients qui avaient le meilleur bénéfice du traitement étaient les patients qui, à la fois, avaient atteint un LDL cholestérol en deçà de, de 1,8 mmol par litre et une baisse significative du HSCRP. Donc, euh, il y a beaucoup de discussions parce que je, les médecins, que ce soit des médecins de première ligne, les spécialistes, les infirmières praticiennes, les pharmaciens, sont plutôt réticents souvent à introduire un statine avec les patients, alors que si on choisit le bon patient, il va avoir un bénéfice cardiovasculaire substantiel. Et je vous mets juste en perspective, personne n'hésite à traiter l'hypertension artérielle. On ne se pose jamais de questions. Et lorsqu'on regarde le NNT avec un diurétique, ben c'est près de 100. Pour diminuer un événement. Et si vous donnez un bêta-bloquant pour traiter l'attention, c'est au-dessus de 125 et personne n'hésite à traiter. Et dans l'étude Jupiter, le NNT pour sauver un événement, c'est autour de 25. Donc, ça veut toujours la même chose. Si on choisit le bon patient, on a un bénéfice cardiovasculaire mesurable. On a une étude intéressante en prévention primaire chez les patients à risque intermédiaire qui était l'étude O3 qui avait randomisé des hommes et des femmes âgés de plus de 55 ans ou 65 ans chez les femmes. On avait des femmes de 60 ans avec deux facteurs de risque de la maladie coronarienne. Il fallait avoir un facteur de risque additif, soit un rapport taille ange élevé, HDL bas, tabagisme actif ou récent, une dysécémie, histoire familiale positive ou dysfonction rénale. Les patients étaient suivis pendant 5,6 ans et on a démontré quand même un bénéfice en ce qui a à la diminution des événements. Donc, euh, en conclusion, l'évaluation du risque cardiovasculaire en prévention primaire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas de seulement calculer Framingham. Il faut prendre en considération les autres facteurs de risque, d'évaluer chaque patient et d'individualiser le traitement basé sur chaque patient en face de nous. Il est important de toute façon de calculer le risque de Framingham chez nos patients. Il ne faut pas seulement faire un guess. La combinaison de facteurs de risque anormaux augmente significativement le taux d'événements cardiovasculaires. Et plus on prend en charge précocement nos patients, meilleur sera le devenir cardiovasculaire. Pensez aux études de génétique, pensez à l'étude WASCOP, pensez aux études observationnelles de Framingham ou de Chicago. Donc, c'est des données qui démontrent que quand on adresse la totalité des facteurs de risque, on va améliorer de façon importante le devenir cardiovasculaire de nos patients.